Chers amis, bonsoir. Je suis content de revoir parmi nous Jean-Pierre Le Goff. Il a la gentillesse de venir nous présenter tous ses livres, d'année en année. On a beaucoup parlé de mai 68 avec lui, quand il avait sorti son grand livre, qui fait maintenant référence, sur les événements de mai 68. Et ce soir, on va parler de l'avant 68, de ce qui s'est passé après la guerre dans la société française et jusqu'à ces événements qu'on va commémorer dans un mois. Cher Jean-Pierre, vous avez la parole. Merci d'être parmi nous. Bien, c'est moi qui vous remercie une fois de plus. C'est toujours un plaisir. Et alors, première question toute bête, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est une question qu'on me pose souvent. D'abord, je n'avais pas envie de l'écrire parce que j'avais fait déjà un gros livre qui s'appelle « Mai 68, l'héritage impossible » en 1998. Alors, mes éditeurs m'y ont poussé en insistant, puisqu'évidemment, il y avait la commémoration, ce qui me paraît un peu... Commémorer un événement comme mai 68 me paraît pour le moins paradoxal. On pourrait en dire deux mots. Mais j'étais assez réticent, il me poussait à faire un récit. Moi, j'étais assez réticent pour faire un récit, puisque je n'aime pas parler de moi. Je me suis toujours considéré comme un acteur à l'intérieur d'une histoire, mais il y a plusieurs arguments qui m'ont finalement, j'allais dire, un peu forcé la main. Tout d'abord, je suis aperçu que du point de vue des nouvelles générations, il y a vraiment, pour une partie des nouvelles générations, mai 68, c'est de la préhistoire au sens propre. C'est-à-dire, ou c'est la mythe au sens d'un mythe fondateur premier, c'est-à-dire qu'il y a une rupture qui arrive en mai avec ces héros qui vont moderniser la société française, et antérieurement, c'est l'ombre. C'est mai 68, c'est un peu toujours la même chose, c'est une rupture révolutionnaire qui fait passer de l'ombre à la lumière. Et donc, on rejoue un peu toujours le même scénario. Donc, le problème, c'était un peu qu'est-ce que pensent un peu ces nouvelles générations. Surtout qu'il y a beaucoup de lectures rétrospectives. Il est arrivé de discuter avec des jeunes en leur demandant « Mais pour vous, c'est quoi 68 ?» Il y a deux choses qui reviennent souvent en premier, c'est l'écologie. Alors, l'écologie, on peut voir évidemment des ponts. Enfin, je rappellerai qu'en mai 68, il y a eu plus de 150 arbres abattus pour construire des barricades, ce qui n'avait rien de particulièrement écologique à l'époque. Alors, bien sûr, il y avait la critique de la société de consommation, mais enfin, vous apercevez que la naissance de l'écologie politique arrive en 1974, avec la candidature de Raymond Dumont, dans une situation historique qui avait beaucoup évolué, dans la mesure où il y avait eu la crise du pétrole en 1973, la fin des Trente Glorieuses, et aussi le début de la fin de ce qu'on pourrait appeler le messianisme révolutionnaire, qui était encore présent en mai 68. Donc vous voyez bien, on pourrait voir des éléments de continuité, mais aussi des éléments de rupture. Et prenez deuxièmement la libération des femmes. Alors quand vous regardez cet aspect-là, c'est pas tout à fait exact en ce qui concerne mai juin 68. C'est pas moi qui le dis, c'est le responsable du MLF, qui sont aujourd'hui très âgés du reste, mais qui disent non, mai 68 est globalement resté un mouvement machiste, ce qui est tout à fait exact. Il n'y a pas de leader femme très connu, vous voyez beaucoup de photos où, alors on dirait en langage lacanien que c'est très signifiant, où les femmes sont portées sur les épaules des gars, vous voyez, c'est femmes, etc. Et elles témoignent qu'en fait, elles étaient ultra minoritaires et reléguées pour l'essentiel à des tâches classiques comme les crèches ou des choses comme ça, ou jouer aux infirmières dans les manifestations violentes. La naissance du MLF, c'est 2 ans après, c'est 1970. Là aussi, il y a des éléments de continuité, puisque ce sont des femmes qui viennent pour l'essentiel des groupuscules révolutionnaires, notamment maoïstes à Vincennes, et qui vont critiquer, constituer des éléments de rupture par rapport à mai 68. Lesquels ? D'abord, ça va introduire la dissidence dans le courant, on va dire, groupusculaire, néo-léniniste ou révolutionnaire, en disant « ça suffit, on en a assez de faire la cuisine ou de changer les couches des enfants pendant que ces messieurs refont le monde des heures durant », puis surtout à l'époque, les débats pour refaire le monde étaient très longs. Donc, on en a assez de faire ça. Qui c'est qui fait le steak? Qui c'est qui fait cuire les steaks? C'est nous. Qui c'est qui s'occupe des... Et eux, ils bavardent, ils font la révolution, ils refont le monde. Donc, ça suffit. Donc, ils introduisent la dissidence à l'intérieur
d'un aspect de 68 qui est le courant, on va dire, messianiste, néo-léniniste, bousculaire, mais en même temps, ils introduisent aussi une dissidence dans l'autre courant ici de 68, ce que j'ai appelé le gauchisme culturel, et ce que j'ai appelé aussi le courant de la libération du désir, ou de ce qu'on va appeler d'un mot générique la révolution sexuelle. Pourquoi ? Eh bien, elles font valoir une sexualité, un désir féminin irréductible à la révolution sexuelle telle qu'elle est pensée à partir du modèle masculin. De ces deux points de vue, le MLF a des liens avec 68, bien évidemment, mais aussi des éléments de rupture. J'ai rajouté une troisième difficulté de lecture, d'ailleurs, c'est les années 80. On va vous parler des SOS racisme, par exemple. Dans le problème de SOS racisme, effectivement, ça intervient dans les années 80, et quelqu'un comme Laurent Geoffrin a écrit un livre qu'on a oublié, qui s'intitule en sous-titre « La génération morale ». La question qu'il faut poser, c'est vraiment si 68, c'était la génération morale. Je ne crois pas du tout, je pense que c'était même un peu l'inverse. Et par contre, il y a à ce moment, c'est très explicite ce livre, je l'ai relu, c'est très éclairant. Il dit une chose suivante, il dit ben, tous ces révolutionnaires issus de mai se sont cassés la figure. Ils étaient sectaires, bon, l'idéologie messianique, révolutionnaire, tout ça c'est fini. Nous sommes les véritables héritiers démocratiques du mouvement de mai. Nous ne reprendrons pas l'idéologie, nous ne sommes pas idéologiques, nous sommes pragmatiques. Et alors il se réfère à quoi ? Au mouvement étudiant-lycéen de 1986. Mai 68 c'est bien, mais 86 c'est mieux. Et avec une nouvelle génération, par exemple, si vous prenez quelqu'un comme Harlem Désir, je crois qu'il devait avoir 9 ans en 68, ou d'autres comme, j'ai oublié, de l'UNEF, Udi, là, il s'appelait, enfin bon, qui devait avoir 11 ans. Et il y a un changement déjà qui existe, mais il dit, c'est nous 68, et à ce moment-là, SOS Racisme va se créer, au moment d'ailleurs de la gauche au pouvoir, et la question du multiculturalisme intervient dans ce moment-là. Alors j'entends je lis des papiers où 68, peut-être au Québec c'est vrai, mais 68, multiculturaliste en mai 68, j'aimerais qu'on montre des textes. Regardez les textes de la commune étudiante, il n'y en a pas. L'antiracisme qui existe en mai 68 est un antiraciste qui reste encore dans la logique de l'internationalisme prolétarien, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire un travailleur immigré. Quand on parle des immigrés, on ne demande pas s'il est syrien. C'est un travailleur. Et c'est d'abord comme ça qu'il est pris. Et l'antiracisme qui existe en 68, avec beaucoup, on peut critiquer, hein, mais pour essayer de montrer les différences, il garde une visée universaliste, si vous voulez. C'est plus du tout le cas à partir des années 80. C'est-à-dire, SOS raciste, c'est black, blanc, beurre contre bleu, blanc, rouge. Alors qu'à l'époque, je ne dis pas que c'est mieux, c'était plutôt le drapeau rouge ou noir contre bleu blanc. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pour vous montrer qu'il y a des lectures rétrospectives qui écrasent l'événement et qui, alors on peut dire, mais il y avait, c'est une lecture que je n'ai pas, une vision hegeliano-marxiste où bah, c'est normal, c'était déjà, tout ça était en œuvre. Ce que je ne crois pas, parce que je distingue plusieurs périodes. Les conditions qui ont rendu possible l'événement, on va en discuter, la France d'hier, l'événement lui-même et l'après 68. Et dans l'après 68, vous avez plusieurs étapes à distinguer. On va vous dire que le point d'arrivée était déjà au départ. Parce que je ne crois pas, si j'avais des comparaisons à faire, je ne m'y lancerais pas trop, c'est 1789 et 1793, mais je pense que c'est très différent. Parce qu'il va y avoir en mai 68 quelque chose qui va déboucher sur un héritage impossible. Cet héritage impossible, il est déjà présent dans les événements, mais il n'est pas le seul. Dans l'événement lui-même, vous avez de tout. Vous n'avez pas que des gauchistes, ça, c'est une erreur. Il y a beaucoup de ce qu'on va appeler les cathos de gauche, qui ont joué un rôle, à mon avis, qu'on a totalement sous-estimé et que je crois aussi important que les groupuscules. On pourra revoir cette question. Il y a aussi des surréalistes, des anarchistes, et vous allez vous poser la question, quelle est la vraie parole de 68 ? Ben, je reviendrai, mais c'est ça. Et par contre, ce qui va se passer, c'est que dès après 68, ça va aller très très vite. Et déjà, entre mai et juin, on en reparlera, la violence commence à monter, et bon, et après, ça part très vite. Voilà quelques questions que je me suis posées. Je pense que pour les générations arrivées, finalement, à essayer de cerner l'événement et les conditions qui l'ont rendu possible, ça me paraît très important.
Alors pourquoi? Parce que les générations, les nouvelles générations ont baigné dans une nouvelle doxa, ce que j'appelle la belle histoire racontée par les vainqueurs, qui s'est instaurée autour des années 80, précisément au moment du mitterrandisme triomphant. Quelle était un peu cette version des vainqueurs? Je la résumerai de la façon suivante. Les 68ards étaient des révolutionnaires au départ. Bon, ils ont défendu la révolution, ils se sont trompés et ils ont accompli le mouvement souterrain de l'histoire pour lequel ils étaient destinés d'une certaine façon, c'est-à-dire la modernisation et la démocratisation de la société française, avec un certain nombre de héros qui, en 1980, soit réintègrent le Parti socialiste, soit sont connus médiatiquement comme des vainqueurs. C'est une histoire écrite par des vainqueurs, à mon avis. Le problème qui est posé, c'est que, je pense évidemment à Mon-Rothmann, la génération qui est mise en avant est une génération qui était déjà politisée en mai, pour l'essentiel, qui venait en gros de la guerre d'Algérie, quand vous prenez les gens. Or, il se trouve qu'il y a un petit problème en mai 68, il y a une masse de gens qui ne sont pas politisés, comme moi d'ailleurs à l'époque, ce que je raconte, et qui d'ailleurs vont fournir après le gros des groupuscules, le gros des... Mais à l'époque, bon... Et à ce moment-là, on a centré là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de vaincus en 68. Je ne voudrais pas être trop méchant, mais... Il y a beaucoup de gens paumés, ça a provoqué beaucoup de... Il y a des aspects nihilistes qui ont eu des effets déstructurants, enfin bon, qui sont très clairs, dans les familles, dans les couples, et surtout sur les enfants. Il y a eu, et surtout sur le terreau éducatif, j'y reviendrai. Mais tout ça est balayé en 80 dans la belle histoire racontée aux enfants. Aujourd'hui, un autre élément, j'assiste à une autre lecture après cette vision angélique, et la lecture inverse, c'est-à-dire... Tout part de 68 et tout responsable est de 68. Ce que j'appelle la nouvelle lecture revancharde, qui ne cherche pas à comprendre, qui juge avant de comprendre. Et je pense que les élites de l'époque, vous prenez Raymond Aron, qui était de droite, de Gaulle, malgré de Gaulle a essayé de faire quelque chose de 68 en 69, mais il s'interrogeait aussi sur ce mouvement. Aujourd'hui, on ne s'interroge pas. On liquide et c'est le déversoir, c'est-à-dire en gros, les 68ards sont responsables de tous les maux. Je conviens que les 68ards sont responsables d'un certain nombre de choses. J'ai eu l'occasion de le dire, notamment dans la rupture de la transmission, oui. Mais on n'est pas responsable, si vous voulez, de la fin des Trente Glorieuses et du chômage de masse. On n'est pas responsable du problème des banlieues. On n'est pas responsable de l'islamisme radical. Donc il faut savoir exactement quelle est la responsabilité. Encore une fois, je pense qu'il y en a une, mais elle n'est pas. Parce qu'il y a eu différentes étapes. Or, ce qui se passe, c'est que dans la dimension revancharde, on met tout sur... Tous les mots viennent de 68. Et cette fameuse formule, il faut liquider 68, qui ne veut pas dire grand-chose. En finir avec l'héritage impossible, je serais tout à fait d'accord avec ça. Mais liquider 68, on ne liquide pas un événement historique, enfin, je veux dire, qui en plus, on y viendra, était assez ambivalent et très confus, mais en même temps très ambivalent. On ne liquide pas 36, on peut être d'accord ou pas, on trouvait que 36, mais on ne liquide pas 36, on ne liquide pas 68. Ça n'a aucun sens. Voilà un peu ce qui m'a poussé, j'allais dire, à la légende dorée, à succéder une légende un peu noire. Bon, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un certain nombre de gens de ce... Je dois dire que j'étais un peu sidéré, quoi. Je ne croyais pas avec beaucoup de rancœur, de ressentiment, ce qui mène à rien, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et le grand déversoir, quoi. 68 a cassé le catholicisme, enfin, faut arrêter. Le christianisme, il n'y avait plus... Alors, qu'il est... Ça, j'en suis tout à fait d'accord, qu'il ait accéléré la chose, j'en suis tout à fait d'accord, mais il n'est pas à l'origine. Enfin, l'érosion du christianisme ne date pas de 68, il faut arrêter aussi le délire, bon... La sacralité de l'État, oui, sûrement. Donc, mais bon, la révolution sexuelle, mais ça commence très tôt, on met en même temps la pilule. J'étais très étonné, pour dire les choses, d'une droite revancharde que je ne connaissais pas. Et je crois que derrière 68, c'est de moi mon hypothèse, c'est pas simplement 68 qui est en cause. 68 apparaît comme l'élément direct et le point final extrême d'une décadence qui remonte en fait en 1789. Et je parle pas de 93, je parle de 89. Et des Lumières. Et des Lumières, parce qu'il y a un règlement de compte avec les Lumières comme potentiellement totalitaire. Et on fait un lien direct, ce que je ne ferai pas. Je suis un peu critique sur un certain nombre de limites des Lumières. Mais parler des limites des Lumières, c'est une chose. Parler d'un lien de causalité directe, c'en est autre chose. Et je pense qu'il y a une partie de la droite qui est de ce registre-là. Voilà ce qui m'a poussé, si vous voulez, à faire. Alors, cette France d'hier, parce que, après tout, les. J'ai une génération, est-ce qu'ils sont... J'ai pris la forme d'un récit pour raconter ça. Pourquoi?
Parce que j'estime que le fossé des générations aujourd'hui est bien plus important qu'avec le mien avec mes parents, si vous voulez, ou les élites de l'époque. Bien plus important. Pourquoi? Parce que nous étions des héritiers rebelles, mais des héritiers quand même. Et nous sommes une génération intermédiaire entre un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau. Et ça, dès les années 60. Or, être adolescent en 50-60, c'est être encore élevé, éduqué dans un terreau éducatif où il y a encore une filiation, où il y a encore un héritage qui est transmis tant bien que mal. On voit qu'il ne marche plus trop, il y a des trucs qui... Mais il est transmis. Après, vous pouvez vous révolter contre l'héritage, mais enfin, vous en êtes les héritiers. Ce qui permet quand même d'évoluer après. Mais le problème d'être adolescent dans les années 70, c'est plus du tout pareil. Pourquoi? Parce que vous avez des enseignants qui ne transmettent plus, pour une bonne raison, c'est qu'ils ne croient plus à ce qu'ils transmettent. C'est aussi bête que ça. Ils n'y croient plus. Et qui règlent des comptes, si vous voulez. Et quand vous êtes adolescent en 60, ou si vous êtes adolescent en 70-80, c'est plus du tout la même chose. Bon, voilà. Et donc, comment on renoue le fil? C'est pour ça que j'ai pris la forme d'un récit personnel, mais en même temps, je ne voulais pas parler de moi. C'est en quoi, bon, comment on essaie de lier une, on pourrait appeler une subjectivité, je n'ai pas ce terme, un sujet, disons, dans un environnement global. C'est ça qui est intéressant. Comme finalement étant un espèce de microcosme que d'autres peuvent éprouver, mais le sujet est inséparable d'un environnement et d'un climat d'époque. Et pourquoi je suis passé par le récit? Parce que le récit, c'est ce qui permet, enfin, de mon point de vue, de rendre compte d'un climat. Et ça, c'est très important pour les nouvelles générations, parce que pour eux, c'est même pas compréhensible. C'est tout noir, l'ancien monde. Et c'est vraiment... Ça, l'histoire commence en 68, vous savez. C'est comme avec l'Allemagne, où l'histoire commence avec Hitler ou après, quoi. Mais avant, il y a... Non, avant, il y a un monde qui existe. Et voilà pourquoi je voulais le décrire. Alors, sur la France d'hier, comment qualifier la France d'hier? Moi, je pense que c'est ça, c'est mon idée la suivante dans le livre, c'est que, en fait, entre 45 et 68, avec deux périodes différentes qu'on pourrait développer, la période de la reconstruction et le tournant des années 50-60, où là, la période de reconstruction s'achève et on rentre dans une nouvelle société inédite historiquement, qu'on pourrait qualifier de société de consommation, de loisirs, c'est aussi important, et des masses médias, ce qu'on appelle les masses médias. On rentre dans une autre étape de l'histoire. Et en même temps, il y a tout l'héritage ancien du 19e siècle. Pour vous donner un peu c'est la coexistence de l'ancien et du nouveau dans une dynamique de modernisation de l'après-guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a quelque chose d'assez étonnant. À la fois, vous avez, je décris, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, vous discutez à propos de la Normandie, les notables des bourgs et des villes, les notables traditionnels qui tiennent la presse, enfin, à Cherbourg, ça s'appelait l'étrier cherbourgeois, vous aviez l'étrier cherbourgeois, c'était le cheval, le club et le tennis club. Et puis vous aviez le grand café, et puis vous avez les commissaires de police, celles qui faisaient la presse locale, tout ça formait un milieu, si vous voulez. Hein. C'était comme ça, les notables anciens. Vous aviez un poids très important de la religion, enfin, en particulier, moi, j'étais élevé dans l'école, j'en dirais deux mots, avec le catéchisme, j'ai retrouvé, parce que j'ai travaillé à partir des archives, c'est étonnant le nombre de choses qu'on nous faisait apprendre du point de vue des dogmes catholiques. Là, vous les connaissez par cœur, c'était lu par cœur. Hein. C'était qu'est-ce que Dieu? Dieu est un être infini, bon, infini, bon. Ouais. Et il y avait les anges, les saints, enfin les péchés véniels, on apprenait tout par cœur. Dans une école catholique, qui était quand même assez sévère, je raconte quelques aspects là-dessus. Donc j'avais le poids du catholicisme, et en même temps une transmission de l'héritage culturel par les humanités, notamment par des ouvrages qui s'appelaient les Lagardes et Michard, qui étaient très importants, j'en parle longuement dans mon livre, parce que là vous étiez d'emblée inscrit dans une filiation historique d'une certaine idée de la France, j'allais dire, où la littérature, les arts, étaient mis dans la hiérarchie des valeurs qu'il a spécifiées dans le monde, si vous voulez, d'une certaine façon. Et je raconte même les comptines. Parce que les parents, c'est les mêmes comptines qui se racontaient depuis des siècles. Ça remontait très loin. Trois jeunes tambours, enfin bon, j'ai aussi des tas de choses. Vous étiez vraiment relié à l'histoire de France, dans cette filiation. Et en même temps, comme dirait, grande transformation, c'est-à-dire ça va aller très vite. Les modes de vie vont changer, on va s'urbaniser, les grands ensembles commencent à être construits. Bon, tout ça va quand même aller très vite, avec un effet matériel quand même très important. Alors, il y a une passion de la modernisation. Il y
y a une passion de la modernisation dont on a du mal aussi aujourd'hui, quand on regarde d'un point de vue écologique les choses à rebours, on dit mais c'est pas possible ces grands ensembles. Moi, je vais vous dire, les grands ensembles à Cherbourg, la région Normandie, c'était un progrès considérable. Ça, il faut le dire. Et pourquoi ? Ben, moi j'étais, il y avait des maisons, des vieilles maisons qui étaient très chouettes à l'époque, mais enfin c'était quand même de la terre battue. Il y avait l'eau froide quand c'était pas à la pompe dans le jardin. Évidemment, c'était très, très, ça pouvait être très, très esthétique. Mais enfin, pour ceux qui vivaient dedans, si vous voulez, arriver dans des trois pièces avec eau chaude, eau froide, même s'il y avait du bruit avec les voisins, plus une salle de bain, c'était énorme. Moi, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est la lumière, par exemple. Quand vous entriez dans des appartements, les baies vitrées. Parce que les maisons avaient des petites fenêtres, c'était des vieilles maisons de ferme. Il n'y avait pas de lumière. Et là, vous aviez une lumière incroyable. C'est des choses... Et là aussi, il faut faire attention aux lectures rétrospectives à partir d'aujourd'hui des préoccupations écologiques. Donc, il y avait une passion de la modernisation, y compris dans les élites agricoles, puisque les syndicats agricoles, c'est eux qui ont mené la modernisation. Les syndicats chrétiens, avec la FNSEA de l'époque et de Baptiste, ça jouait un rôle très important. D'ailleurs, en concertation avec Edgar Pisani, qui était également là. Pour vous donner d'ailleurs, je vous donner une anecdote du vieux monde d'Edgar Pisani. Quand il était préfet de Haute-Loire, ça c'est avant le tournant 50-60, vous voyez. Alors il était frappé parce qu'il faisait des réunions dans les villages et il disait dans une salle, il y avait le crucifix qui était toujours là, c'était des salles de la mairie, hein. Et il y avait une constellation autour du crucifix, tous les chefs d'État depuis Louis XVI, y compris Pétain. C'est quand même extraordinaire, ça c'était en 50. Et alors, quand il était préfet, une anecdote qui était extraordinaire. Il manquait de blé dans une région, là je crois que c'était dans l'Est. Et donc, Pisani demande à ses sous-préfets de faire le tour des cantons pour faire la quête auprès des paysans. Est-ce que vous ne pourriez pas pour donner un sac de blé, etc. Alors, il nous avait raconté, c'était extraordinaire, je vais vous le lire parce que c'est quand même important. Il dit, alors j'étais dans une salle en appelant à donner un sac de blé, et je vois se lever un sort de Vercingétorix, le crâne rond, chauve, les moustaches tombantes, le col en celluloïde, la cravate noire, le chapeau sur le ventre et les souliers à bourron. Et il se lève et il me dit, eh ben je donnerais bien encore quelques sacs pour le père Pétain. Voilà, ça c'était 5 ans après la guerre. Non mais en plus c'est tout à fait véridique. Donc on a ça quand même encore. Et alors, et en plus, la France doit épouser son siècle. Alors, comment s'explique cette passion de la modernisation ? C'est ça qui est assez étonnant. Eh bien, la passion de la modernisation, je pense, c'est une passion de la modernisation chez les élites qui est patriotique. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se comprend que par rapport, à mon avis, un des grands points, c'est juin 40. C'est-à-dire, plus jamais ça. C'est-à-dire, la France a subi la défaite. Il faut lui redonner à la France les moyens de sa puissance pour qu'on ne soit plus jamais défait d'une certaine façon et occupé, et donc les moyens de sa puissance, retrouver sa parole, qu'elle ait une place dans le monde, etc. Ça c'est le général de Gaulle. Mais si vous prenez Mendès, c'est aussi un patriotisme républicain, bon, avec une dimension sociale évidemment qui existe en même temps, hein, mais c'est les deux. Donc on veut de Gaulle et Mendès, chacun à leur manière. Mendès avec la République, on essaie de maintenir le fil de l'histoire. C'est-à-dire, on rentre dans une nouvelle société, le paysage va totalement changer très très vite, et en même temps, on inscrit ce changement dans une filiation historique. Ça, c'est de Gaulle, c'est pas simplement la République ou 89, ça remonte plus loin, c'est Jeanne d'Arc, c'est la France éternelle, etc. Voilà le pari des élites. Qu'est-ce qui va se passer, globalement ? Il va y avoir un déséquilibre qui va arriver très très vite. Je vais en parler. Alors, parmi ce changement, il y a... Alors, bon, je prends Marc Bloch, hein, l'étrange défaite, d'ailleurs, que j'ai cité à un des interlocuteurs d'une droite particulière, qui a dit, mais Marc Bloch, tout ça, c'est pas possible. À propos de... parce que la modernisation a fait quoi ? Eh bien, elle a mis en ruine les communautés naturelles. Vous voyez ? Au moins, on n'avait pas de carte de crédit à l'époque, il y avait des rapports interpersonnels, les notables étaient sympathiques, au moins il y avait du sens, il y avait vraiment de la verticalité, voilà. J'ai entendu ça sur ces revanchards. Et en fait, ils ne règlent pas des comptes simplement avec 68, ils règlent des comptes avec la modernisation gaulliste et autre, à mon avis, cette droite revanchard. Alors, bon, je ne vais pas vous reciter Marc Bloch,
Mais enfin, dans Marc Bloch, l'étrange défaite, il y a à la fois le pacifisme des instituteurs, qui est quand même assez... toute cette gauche pacifiste, on l'oublie totalement. Hein. Mais il dit aussi, il y a un autre problème, c'est qu'on a été élevé dans une France totalement repliée sur elle-même, qui était quand même la Troisième République, sûre d'elle-même, fière de ses villages, de ses champs, etc., et qui se croyait toute puissante et qui était balayée en une coupe cuillère à peau. Et il a des phrases très dures. Toute une littérature de renoncement, là, il pense à Pétain, bien avant la guerre, elle stigmatisait, elle dénonçait les dangers de la machine, elle vantait par contrainte la paisible douceur de nos campagnes, la gentillesse de notre civilisation des petites villes, l'amabilité en même temps que la force secrète d'une société qu'elle invitait à demeurer perpétuellement la même, etc. Bon. Donc, par-delà ce patriotisme. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça un peu qui est très bizarre. Vous avez, dans le même moment, la fin de la civilisation paysanne. C'est-à-dire, il y a deux catégories sociales qui ont été vraiment bousculées, c'est le moins qu'on puisse dire, et réduites, qui sont les paysans et les artisans, avec le mouvement Poujade en réaction, hein, pour ceux qui se rappellent. Mais sur la question paysanne, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que si vous prenez, c'était encore présent en Normandie, l'ancien modèle, c'était quoi? Il y avait l'importance de la petite exploitation agricole, qui était très importante, il y avait la relative autarcie et l'autonomie, il y avait une dominance des rapports interpersonnels dans les bourgs, les villages avec ses notables, mais surtout, il y avait une vision du temps qui était les valeurs d'équilibre, et j'allais dire le changement de temporalité se faisait lentement, les changements se faisaient très lentement. Et arrive une modernisation, c'est pas simplement le remembrement, avec des drames d'ailleurs chez les anciens et les jeunes agriculteurs abattent des arbres, le chêne a été, il y a des très beaux films là-dessus, le chêne a toujours été là, et on va moderniser très vite les paysans, enfin, on va passer, pour reprendre une formule de Mandras, qui a écrit un livre en 1967 qui s'appelle « La fin des paysans », on passe de paysans, qui se veut dire une certaine communauté, qui est ancestrale, aux agriculteurs. Alors ça reste un peu des paysans, mais la technique n'est pas la même, et la gestion prend une place de plus importante, vous avez un développement de la productivité, puis surtout vous avez un exode rural, parce que dans une société de consommation et de loisirs, comme on disait en Normandie, ils ne veulent pas rester au cul des vaches, les jeunes. Il y a aussi ce facteur culturel, si vous voulez. Hein. Parce que les week-ends, les vacances, bon, c'est plutôt tentant quand même. Voilà, alors bon, je ne vais pas vous donner les chiffres. Alors, ça, c'est la fin de la civilisation paysanne. Je parlais du christianisme. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Moi, j'ai connu l'Église ancienne, avec d'ailleurs des choses à la fois... comment vous dire ça? Il y avait une éducation religieuse très stricte, avec une idée d'ailleurs qu'avaient les curés dans mon établissement, c'est que... Ils sont jeunes, donc on leur inculque vraiment par cœur des choses, tous les dogmes. Et après, ça forme un socle, quoi. On sait qu'après, au moment d'adolescence, ils vont s'adopter, mais au moins on leur a semé. Et après, un jour, peut-être qu'ayant semé à l'intérieur, ça pourra en surgir. Le pari n'était pas si bête, d'ailleurs, à mon avis. Mais c'était ça. Mais c'était quand même extrêmement dur, avec des phénomènes qui étaient nés. On en parlait tout à l'heure, des prêtres... J'en parle un peu, moi j'ai jamais été embêté, si vous voulez. Mais ça se savait, plus ou moins... Une éducation qui était à la fois très dure, mais je dirais une chose quand même un peu... Ça ne veut pas dire que les enfants étaient soumis par rapport aux jeunes générations. J'explique que vous pouviez donner des gages, ce qu'on appelait former le caractère, de soumission externe. Il y avait une contrainte des corps, une discipline externe sur les corps, mais vous pouviez garder une liberté intérieure. C'était largement d'ailleurs une éducation qui, au moment de la adolescence, fabriquait des anarchistes. Ce qui fut mon cas d'ailleurs, comme beaucoup d'autres. Ça faisait partie. Il y avait Zéro de conduite d'ailleurs. J'ai pensé à Zéro de conduite qui est un vieux film. Mais il y avait quelque chose de ça. Ça fabriquait aussi des gens qui, à un moment donné, savaient se révolter. Il y avait une forme de sens commun qui différenciait les différentes classes d'âge. Parce que c'était dur, mais en même temps, il y avait une façon de considérer l'enfant qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Où il est petit, il est déjà grand. Il est citoyen, il faut lui demander son point de vue sur tout, surtout en politique, comment, qu'est-ce qu'il pense de la grève des cheminots, enfin des trucs invraisemblables. Il est citoyen avant l'heure, on s'occupe de lui, il faut qu'il parle sans arrêt, s'il ne parle pas, on va le faire parler des pédagogues, des psy. Bon, on les ennuie beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a toujours quelqu'un sur le dos. Il y a d'autant plus quelqu'un sur le dos que les parents ne sont pas là. Donc, c'est les spécialistes qui les encadrent. Alors,
L'élément humain, j'allais dire, de ce moment-là, c'est qu'il y avait des espaces de jeu, et encore des terrains vagues d'ailleurs, où vous n'étiez pas encadré. Vous n'aviez pas les adultes sans arrêt sur le dos pour évaluer vos performances, si vous aviez des stéréotypes sexuels dans la tête ou autre chose, et déraciner l'agressivité que vous aviez en vous, notamment quand vous étiez un garçon et que vous jouiez à la guerre. Non, c'était, vous pouviez jouer librement à la guerre, l'agressivité faisait partie de la condition humaine, et surtout quand vous étiez jeune. Ça, c'était donc une forme d'insouciance. C'est ça qui est bizarre. Et d'autre part, vous aviez l'adolescence qui était vue avec une forme de sagesse populaire, je pense. Eh bien, il faut que jeunesse se passe. Ça veut dire que vous expérimentez sous l'œil plus ou moins bienveillant des adultes, en sachant que vous n'avez pas intérêt trop non plus à franchir. Vous pouvez transgresser, mais dans des limites. Et puis, vous aviez l'âge adulte. Et vous apercevez que, par exemple, l'Église, enfin, la religion, encadrait chaque passage. L'entrée dans la vie, c'était le baptême. La communion solennelle, c'était l'entrée dans l'adolescence. Ensuite, vous aviez d'autres rituels qui étaient le service militaire et le mariage et le travail. Tout ça a complètement volé en éclats, enfin, j'en reviendrai à propos du peuple adolescent. Mais il y avait ça. Alors, je reviens sur le catholicisme. Le catholicisme imprégnait quand même beaucoup la société, avec beaucoup d'aspects très durs, mais il imprégnait comme terreau éducatif et accompagnant les passages de la vie. J'ai assisté, entre les années 50 et 60, dans mon école, qui avait une réputation sévère, après la guerre, ils avaient encore des uniformes, enfin, ça avait... Eh bien, j'ai assisté à un basculement à une vitesse, là aussi assez incroyable, où, par exemple, tout le monde avait des soutanes, etc. En, je ne sais pas, en quelques années, ils sont habits clergymanes, après la fin de Vatican II. Et alors qu'on avait une discipline extrêmement sévère, on a commencé un peu à une pédagogie active, on va dire. On commençait à nous dire l'autodiscipline. Bon, l'autodiscipline, ça commençait un peu. Et l'Église et ses prêtres ont joué un rôle assez important, le courant chrétien de gauche, je dirais, dans la diffusion des pédagogies actives, qui venaient d'ailleurs de la JOG, de la GEC, qui était même le travail en groupe, par exemple. C'était important. Et on est passé je suis un peu polémique dans mon livre, des curés soutanes aux curés chantant à la guitare. J'ai assisté, je raconte ça, où c'était un peu la mode, il y avait Dominique Nikonik, comment il s'appelait, qui était une bonne sœur qui a terminé d'ailleurs homosexuel, mais ça faut pas le dire. Mais il y avait aussi un autre curé, j'ai oublié le nom, qui chantait la... Alors moi j'avais affaire au catéchisme à des curés qui chantaient la guitare. C'était quand même, on dirait, on était déjà révoltés parce qu'on passait de l'ancien modèle comme nous avait cassé les pieds, mais j'étais aussi révolté contre l'autre, parce que j'ai trouvé totalement des magots, appelant à ce qu'on parle sans arrêt, récupérant tout, et la messe d'ailleurs avait changé, je cite quelques trucs, on nous mettait du Brassens à la messe, la prière, avec récitation de certains poèmes d'Aragon, enfin des trucs incroyables. Je cite d'ailleurs, j'ai retrouvé toutes mes fiches du catéchisme, y compris en seconde, c'est quand même extraordinaire. Vous avez des fiches sur l'islam, il faut les relire. Ça, je dois dire que l'islam, quand même, il croit quand même au même Dieu. Hein. Par contre, le bouddhisme, je ne sais pas pourquoi, c'est très critiqué. Mais alors, déjà, vous avez plein de choses qui ont changé à une vitesse invraisemblable. Et là, les curés... Il y avait une revue qui s'appelait, je ne sais plus comment, les curés nous abonnaient à ça, et ils s'intéressaient, il y avait toujours une question, alors ils commençaient, l'éducation sexuelle commençait, mais ça commençait, on rigolait beaucoup, parce que c'était des curés anciens qui étaient transformés en modernes et qui voulaient discuter avec une question absolument fondamentale, l'amitié était-elle possible entre garçons et filles. Le gars qui nous disait ça, il était tout rouge. Alors, on se foutait de ça. On finit, c'est le curé en question, et dès qu'il nous posait cette question, bon. Mais c'était ça, la réalité. Et puis, ils ont commencé, alors, le flirt, est-ce qu'il faut se marier, est-ce qu'on est vierge? Ils ont commencé à sonder les reins et les cœurs, surtout des ados qui voulaient quasiment évangéliser. Et là, on a changé de ça, c'est une question théologique, je ne l'aborderai pas. Je dirais, le catholicisme est devenu sentimental et méli-mélo et très psychologisant par rapport au dogme. C'est un changement dans la religion catholique qui, à mon avis, est très important, avec notamment aussi cet héritage qui va donner la deuxième mouture. Cet héritage sur lequel je suis assez critique, sur les méthodes pédagogiques actives, autogestionnaires, diverses et variées. Voilà, donc vous voyez comment tout ça, c'est incroyable, c'est allé quand même très très vite.
Et puis alors, avec un aspect, là, je n'y manquerai pas, qui est très important, c'est le yéyé, le cinéma et la télévision. Hein. Bon, alors là, on ne coupe pas de ça, si vous voulez. Hein. Le cinéma, vous avez un gars que j'admire beaucoup, uniquement sur cette période, je tiens à le préciser, qui est Edgar Morin. Aujourd'hui, j'aurais plus de mal. Mais je trouve que Edgar Morin, dans ses analyses de l'époque, est totalement pionnier. C'est incroyable. Vous lisez ce qu'il a écrit sur le cinéma, sur le yéyé, mais... Il était vraiment franc-tireur à une époque où, bon... Alors, sur le cinéma, je vais simplement dire quelque chose. C'est avant 68, ça. C'était les années 50, fin 50, 60. Eh bien, il dit, nous avons affaire à une nouvelle mythologie qui se situe dans une zone mixte et confuse entre croyance et divertissement. Il parle d'une mythologie des stars avec beaucoup d'éléments archaïques et d'une modernité... Et l'intégration, évidemment, tout ça, la marchandise. Et il parle du nouvel Olympe de la culture de masse avec les stars. Il a écrit un petit livre sur les stars, je vous le conseille, qui est assez remarquable. Et le tout allant de pair avec l'érotisation. Il appelle l'érotisation Brigitte Bardot. Ça, c'est avant 68. C'est avant 68. Et il y a un autre sociologue qui parle, lui, de, il s'appelle Dumasdier. On arrive avec les loisirs modernes à un univers... semi-sérieux, semi-ludique, semi-réel, semi-imaginaire, et qui fait écho d'ailleurs à l'insouciance de la jeunesse, et l'adolescence va être particulièrement sensible à ça. Parce que l'adolescence, pour le dire en deux mots, c'est une période où vous quittez l'enfance, avec plus ou moins de difficultés d'ailleurs, pour rentrer dans un âge adulte. C'est donc une phase intermédiaire. Vous êtes adolescent dans une phase intermédiaire où la société elle-même est entre deux mondes. C'est pas évident. Je veux dire, et à mon avis, c'est pour ça l'hypothèse que je fais, c'est que l'adolescence a été la plaque sensible du bouleversement. Au sens photographique, elle a tout ramassé, si vous voulez. Le cinéma, le yéyé par rapport au catholicisme dont j'aime parler, ça va pas de soi, les campagnes, etc. Et en même temps, c'est le rock. Il y a une espèce d'hédonisme nouveau qui est lié à la société de consommation et de loisirs. On peut pas critiquer. Je sais que certains vont dire attention, matérialisme, manque de spiritualité. Mais enfin, ça fait partie de l'humain, comme on dit. Hein. Mais vous êtes, je dirais pas que vous êtes coincé, parce que vous avez encore l'héritage ancien. Mais enfin, je cite un exemple à propos de la musique. Ma mère avait encore des vieilles chansons de Jean Lumière, ils appelaient, je crois, ou Mon amant de la Saint-Jean. Alors bon, vous écoutiez ça, c'était très bien. Enfin, bon, c'était un peu. Et puis arrive les yéyés avec Kili Watch. Alors là, grande difficulté pour comprendre les paroles, parce que Kili Watch, 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 Cohen, Cohen, Kaaba, cette drôle d'air que je ne finis pas de répéter, alors, mais ça n'a pas de sens. Effectivement, ça n'a pas de sens dans les paroles. C'est le rythme qui compte et qui fait écho aux pulsions d'adolescence montantes. Le rock, c'est ça. Et le rock a été un vecteur absolument central de ce qu'on va appeler la culture adolescente. Qui arrive, le peuple adolescent se forme dans ce moment-là, j'y reviendrai. Mais ça, c'est pour Malraux même, je pense à Malraux, avait conscience de cette nouvelle société. Par exemple, quand vous relisez son discours à l'inauguration de la Maison de la Culture d'Amiens, par exemple, c'est assez étonnant. Il parle de ces nouvelles machines de rêve que sont le cinéma, je crois que j'ai le... qui joue sur les éléments les plus suspects de l'émotion, la recherche du profit. Et il parle d'usine à rêve. Et il dit, qu'est-ce qu'on fait face à ce nouveau défi des usines à rêve? C'est le cinéma, c'est... Et puis après ça va être la télé. Eh bien, on joue la culture comme contrepoids. Mais la culture au sens classique des œuvres. C'est ça, Malraux. Pourquoi? Parce que, il dit, la culture, c'est précisément ce qui peut contrer la puissance de ces usines de rêve en opposant des images immortelles aux images de sexe et de mort qui sont véhiculés par les usines à rêve. C'est quand même assez intéressant. Enfin bon, quand vous lisez ça, c'est très assez... La télévision. Alors la télévision, là aussi, on est entre deux mondes, parce qu'il y a des nouvelles choses. Le catch en direct, bon, tout le monde regarde dehors. Moi, à l'époque, il n'y avait pas les postes, mais le marchand de poste à côté de, comme on disait, le marchand de poste à côté de chez moi, mettait le truc et tout le monde était derrière la vitre en train de regarder la chose. Et puis vous aviez 36 chandelles, enfin bon, on refaisait sur un mode beaucoup plus global les radios crochets de village, c'était ça. Avec des nouveaux divertissements, Interville va arriver très vite.
Alors, en même temps, si vous voulez, cette télévision va éroder totalement les cultures traditionnelles liées aux communautés premières d'appartenance, c'est-à-dire la culture paysanne. Vous aviez toujours des fêtes liées au travail, hein, au compagnonnage, tout ça, ça existe encore. Mais en même temps, vous avez ce nouvel outil qui, lui, va aller très vite. Alors, en même temps, les élites de l'époque essaient de tenir encore les deux bouts, même avec la télévision. Puisque, rappelons-nous, il y avait quand même Lecture pour tous, si vous le revoyez, c'était quand même d'un sacré niveau. Il y avait 5 colonnes à la une qui, au point de vue de la formation, était quand même quelque chose. Alors, il y a eu, à un moment donné, un essai, parce que la grande culture classique, avec un truc qui s'appelait Les Perses, qui était l'adaptation de la tragédie grecque d'Eschyle sous la forme d'un oratorio. Alors, comme vous aviez qu'une... Alors, c'était vraiment de... Comme vous aviez qu'un poste, tout le monde regardait, parce que vous n'aviez pas avec une chaîne. Le problème, là, j'ai retrouvé à 20h30 sur l'ORTF, en octobre 61. Alors, au premier acte de l'auditoire, il y avait 75% d'auditeurs, et au dernier, il n'y en avait plus que 3%. Parce que je dois dire qu'à la revoyure, si j'ose dire, c'est quand même un peu particulier, les Perses. Oui, effectivement. Mais enfin, voilà. Mais vous voyez, c'est un peu... Alors, en même temps, une angoisse. Je vous rappelle la chanson de « Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets », du Formica et du Ciné. « Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie », Jean Ferrat. Donc voilà, et donc l'exode rural, on a oublié la montagne, donc une certaine inquiétude en même temps. Alors le rock et le yéyé, j'en ai un peu parlé. C'est vrai que c'est totalement lié à la culture des loisirs et de la consommation, puisque ça va être très vite récupéré par la société de consommation avec les produits, etc. Mais moi personnellement, je suis passé assez vite du yéyé très jeune à la pop anglaise, qui a fait ça, qui était quand même, à mon avis, d'une autre tenue, parce qu'il y avait... En même temps, il y avait le rock, mais si vous voulez, le rock, il y avait, chez les jeunes prolos, on va dire, il y avait beaucoup du Johnny Hallyday. C'est comme ça que disaient mes parents, Johnny Hallyday. Et alors que les secondaires, lycéens ou étudiants, c'était plutôt la pop anglaise, avec Radio Caroline et une distinction anglaise où les types avaient... Enfin, j'ai revu toutes les vidéos de l'époque, je veux dire, c'est très impressionnant. C'est des documents extraordinaires. Où vous avez des Anglais très british avec la cravate, Zem, pour ceux qui connaissent Gloria, a une émission de télévision en France. Elle est type, il y a une pulsion absolument de rock, absolument très forte, sous un flegme anglais, qui est totalement étonnant. Et vous avez dans la salle, alors là, il faut regarder les plans de salle, c'est extraordinaire, c'est une émission de télévision en 60 et des poussières, vous avez l'ancien peuple de France qui est là. Et alors, vraiment, les bouillerons de l'époque, de campagne. Alors, il y a des jeunes qui sont là comme ça, puis il y a une mémé qui commence à faire ça. Non, mais... Et tout ça, assez bon enfant. On n'est pas encore dans les années 70, à la drogue, les grands trucs, etc. On n'est pas là. On est dans un moment de basculement. Et Morin le dit, il y a dans cette musique intensément et frénétiquement... rythmé, un ferment dionysiaque, panique, une force explosive, une stimulation forte au ferment de rébellion qui est dans toute adolescence. Et alors, il va y avoir ce fameux moment, je sais pas si je veux voir, où on a cassé des fauteuils à comment ça s'appelle, à Nation, à la suite d'un grand concert. Et évidemment, il y a François Nourricier qui écrivait dans les nouvelles... Les littéraires, ça va être l'incompréhension de toute une partie de la droite, qui va être très dure, mais qui en même temps pas totalement tort non plus. Mais voilà que se lève, immense, bien nourrie, ignorante en histoire, opulente, réaliste, la cohorte dépolitisée, dédramatisée des Français de moins de 20 ans. Là, ça va déverser beaucoup. C'est étonnant, parce que j'entends un peu la même chose vis-à-vis d'un certain courant de droite qui est à peu près dans les mêmes termes, la décadence, la sexualité débridée, enfin avant 68, je ne voudrais pas dire, mais c'était un peu plus compliqué que les partous, peut-être que ça existait, mais l'espèce d'obsession dans la droite là-dessus qui me paraît, enfin d'une partie de la droite. Et Morin d'ailleurs répond évidemment à Nourricier de la façon suivante dans Le Monde, c'est que ça fait vraiment écho. Certes, je suis de ceux qui voudraient que les extases aient un sens, les extases à partir de la musique, si vous voulez. Qu'elles s'inscrivent dans un mouvement de réalisation de fraternité humaine, du progrès. Mais je suis aussi de ceux qui préfèrent aux ferveurs trompées et corrompues des décennies 1930 à 1950 une ferveur, pour ainsi dire, avide et inoffensive. Là, on a deux approches, si vous voulez, assez différentes. Voilà, donc on arrive à la veille dans ce mouvement de basculement. Comment dire
C'est très étrange parce que De Gaulle, je parle de De Gaulle. De Gaulle a modernisé la France. La France doit épouser son temps. Ce que je disais, la fonction patriotique de redonner toute sa place à la France dans le monde. Et en même temps, il y a un décalage qui commence à se manifester. Parce que vous êtes dans une nouvelle société et les élites, évidemment, ne maîtrisent pas les effets de la modernisation. Ne maîtrisez pas. Il y a un nouvel hédonisme qui arrive. La dimension sacrificielle de la résistance. Et quand vous êtes adolescent, moi, Dieu sait si j'ai assisté à des cérémonies, je dois dire qu'à un moment donné, j'en avais marre. C'est-à-dire, il y avait pour moi, c'est peut-être injuste d'ailleurs, et j'en conviens, mais vous savez, quand on est adolescent à 15-16 ans, on n'est pas juste. Hein. Et si vous ne révoltez pas à 15 ans, ce n'est pas 70 ans que vous allez le faire. Mais il y avait un poids des morts sur les vivants qui paraissait, il y avait un décalage quand même très grand entre les récits dans lesquels on avait été élevé, je dirais l'épopée. L'épopée de la France libre, si vous voulez, qui quand même qui était un poids très important de la résistance et de la France libre. Hein. Et puis la réalité de la nouvelle société. Vous ne pourriez pas vous poser la question, est-ce que c'est le même peuple qui a fait la résistance ou celui qui joue au tiercé, pour faire très court. Je me souviens que moi, idéaliste comme j'étais dans le bulletin, j'écrivais des trucs contre le tiercé, le pium du peuple, pardon, et réveiller le peuple qui s'endormait sous le poids de la société de consommation. Vous voyez, bon, on était en contradiction totale. Qui va donner. Et je pense qu'il faut bien comprendre ça pour comprendre 68. Hein. Donc vous étiez vraiment entre deux mondes, entre deux mondes. Et un exemple le plus typique, le plus caractéristique pour moi, c'est le discours de Malraux en décembre 64, si je ne me trompe pas, lors de décembre de Jean Moulin au Panthéon avec le général de Gaulle qui a repris ses habits militaires, hein, il fait froid, enfin, vous avez la figure du général de Gaulle, c'est direct à la télévision, et entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège, les câbles, la Gestapo, etc. Et c'est le rock et l'aîné exactement au même moment. Et vous avez 15-16 ans. Vous êtes exactement dans ce moment-là. C'est très difficile, là. Et je pense qu'on ne comprend pas, à mon avis, mai 68, sans voir précisément ce... La France d'hier, elle est faite de cette contradiction-là. Et cette contradiction-là, ces contradictions qui se jouent, qui se nouent dans la France d'hier, elles vont éclater en mai 68. Elles sont déjà en œuvre, d'une certaine façon. Et j'insisterai sur un point qui est la période de la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire en gros, on va dire 62-68. Pourquoi ? Parce que je dirais que là, on rentre dans une nouvelle ère où la France est en paix. On a fini l'Indochine, on a fini... Certains, d'ailleurs, regrettent ces épopées. La fin des épopées, la fin de l'Empire, la fin de l'Empire français. La France s'est repliée... Enfin, s'est repliée. Elle est prospère. Il n'y a pas de chômage. On vit en paix. Et d'ailleurs, De Gaulle, d'après ce qui est cité, je crois que c'est par la culture, il dit, mais j'ai fait de grandes choses, c'est pas que je m'ennuie, mais qu'est-ce qu'il y a comme grandes choses à faire après l'Algérie, etc., la paix en Algérie. Et donc, ça c'est dans le domaine politique, on va dire. Du domaine social, ben, vous êtes sorti un peu du paupérisme, on discute, on négocie entre syndicats sur les fruits, le partage des fruits de la croissance, qui est déjà beaucoup. Enfin, on n'est plus dans la lutte de classe et l'épopée de la guerre d'Espagne, si vous voulez. Et encore du franquisme en même temps, vous voyez. Mais ce n'est plus l'épopée, on va dire, prolétarienne du côté du Parti communiste ou de la gauche. Là aussi, ça ne fonctionne plus bien. Parce que les ouvriers, bien, qu'est-ce que vous voulez ? Ils demandent des salaires pour avoir accès aux biens de consommation. On ne va pas leur reprocher de ne pas être révolutionnaire. C'est un peu ce qu'on faisait. Enfin, mais bon, avec là, je vous dis que c'était un peu bête, mais c'était comme ça. Donc vous avez la fin des EPP. Au point de vue culturel, vous avez le développement du nouveau roman, dès 60. Le nouveau roman, c'est une étape un peu différente par rapport à l'existentialisme. Vous aviez des grands débats sur l'engagement entre Camus, Sartre, etc., ou Malraux, hein, les épopées Malraux. Bon, bah, tout ça, le nouveau roman, il n'y a pas d'histoire. Le monde est, je décris. Vous avez une espèce de tragique qui est plus lié à l'histoire. C'est le tragique de l'infra-quotidien, c'est Beckett. On est dans un truc, les choses sont là, il y a une espèce d'angoisse diffuse, on ne sait pas d'où ça vient. On n'est plus dans l'histoire, on n'est plus dans l'épopée historique. Et vous avez, avec le développement des sciences humaines, le structuralisme, qui arrive dès 60. Le structuralisme, c'est la sortie de l'histoire. C'est la structure au détriment de l'histoire.
c'est qu'en fait, les collectivités humaines et les hommes sont mus par des structures inconscientes, et tout est question de structuration d'échange. On étudie scientifiquement ces lois, d'une certaine façon, les lois de l'échange chez Lévi-Strauss, vous voyez. Donc on rentre dans une période où c'est un peu l'ère du vide. Et l'ère du vide, il y a le rock, il y a la consommation, il y a l'hédonisme. Voilà, à mon avis, ce qu'est quelques éléments de la France d'hier. Je pourrais simplement peut-être m'arrêter, je préfère en discuter peut-être dans le débat, sur le climat politique un peu avant 68. C'est assez étrange parce que c'est pas si clair que ça. Par exemple, je vais vous citer un sondage en 67, le livre blanc de la jeunesse. 280 000 garçons et filles de 15 à 24 ans. Je vais vous dire le résultat. Un an avant mai 68. Le jeune Français songe à se marier de bonne heure, mais il a le souci de ne pas mettre des enfants au monde avant d'avoir les moyens de les élever correctement. Son objectif numéro un est la réussite professionnelle. En attendant sur ses gains maudits qu'il fait des économies, le jeune homme pour acheter une voiture, la jeune fille pour constituer son trousseau, il s'intéresse à tous les grands problèmes de l'heure, mais de ne pas entrer trop tôt dans la vie politique. 72% des jeunes estiment qu'il ne faut pas abaisser à moins de 21 ans le droit de vote. Ils ne croient pas à une guerre prochaine et pensent que l'avenir dépendra surtout de l'efficacité industrielle, de l'ordre intérieur, de la cohésion de la population. 67. C'est comme quoi, il faut le redire à chaque fois, les sondages ne pensent pas. C'est 67. Alors, je pourrais... Mais cette dépolitisation de la jeunesse, parce qu'il y a une dépolitisation, les groupuscules, qui sont généralement de la génération qui ont été politisés avant. Hein. Mais il y a massivement, moi je raconte l'université de Caen, les groupuscules n'ont pas beaucoup d'écho. Je veux dire, bon, ils diffusent des tracts, ils se tapent sur la figure, mais la grande masse regarde ça. Par contre, après 68, ça va totalement changer. Mais avant, il y a une dépolitisation. L'UNEF, par exemple, Jacques Sauvageau, on le met là parce qu'il n'y a personne. Le bon moment de l'UNEF, c'est la guerre d'Algérie, le dernier grand moment de l'UNEF. Et à Caen, par exemple, je donne des chiffres que j'invente rien. En novembre 66, bureau de l'Assemblée générale des étudiants de Caennais avec l'UNEF. 97% d'abstention. L'UNEF. Hein. Alors, en janvier 67, les élections des représentants courants de la fac de lettres, 95% d'abstention. Ce qui fera dire d'ailleurs à un journal local, ça je trouve ça absolument génial, en 67, il faudra sûrement attendre longtemps avec les étudiants au s'intéresser à autre chose qu'à leur cours. C'était en 66. Comme quoi, l'histoire a beaucoup de surprises, si vous voulez. Hein. Bon, voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Quel est le problème? J'ai recité peut-être, pour terminer, une citation de Gaulle, en 65. Hein. Il y en a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison. La maîtresse de maison, la ménagère, veut avoir un aspirateur, un frigidaire. Elle veut avoir une machine à laver, et même si c'est possible, une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est aussi vrai pour la France, il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Ben cet équilibre-là, précisément, il est déjà très instable. Et en 68, il éclate au grand jour. Voilà, je m'arrête là. Parce que je n'ai pas parlé de l'événement, mais je préfère aussi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci.